Le tribunal de grande instance de Ziguinchor a annulé la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Le juge a pris ses responsabilités en disant qu'Ousmane Sonko doit être réintégré, réinscrit par les services compétents du ministère de l'Intérieur, a dit Maître Ndioye à la presse à la sortie de l'audience jeudi 12 octobre. C'est une grande avancée dans le bras de fer judiciaire qui oppose Ousmane Sonko à l'État sénégalais. Une décision qui lui permettrait de récupérer les fiches de collecte de parrainage, étape cruciale pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Cependant, pour le numéro 1 opposant du pays, il n'y a pas encore de victoire. L'État sénégalais a 10 jours pour interjeter appel. Ce serait alors la Cour suprême d'en décider. Les avocats de l'État du Sénégal sont très remontés contre le président de séance qui a jugé l'appel en annulation de la radiation des listes électorales d'Ousmane Sonko. Selon Maître Diali Kane, ils vont se pourvoir en cassation contre cette décision.